Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à ma petite gossip. Je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais ça fait le deuxième hiver que la louloute passe à la maison et ça fait le deuxième hiver où elle a perdu énormément de poids. Le premier hiver, c'était dû à la pyroplasmose, donc c'est la maladie du tic. Elle m'avait chopé pas mal de tics, donc voilà, elle était tombée malade. Mais cette année, j'ai pris mes précautions et je l'ai traitée contre ça. Sauf qu'elle a continué à perdre de nouveau du poids durant cet hiver et je n'ai pas réussi à la faire grossir. Du coup, vendredi, le vétérinaire était venu à la maison pour faire le vaccin de Mr Bibi et est venu voir Gossip vu par rapport à son état. Là, vous devez voir, elle est vraiment très fine et on n'arrête pas de sentir ses côtes et ça m'inquiète beaucoup. Et le vétérinaire l'avait ausculté et n'avait rien vu de spécifique. Du coup, on a fait une prise de sang. Et il m'a appelé une heure après en me disant qu'il n'y avait pas d'infection. Cependant, elle était en manque, je crois, de calcium. Et qu'aujourd'hui, du coup, il viendrait faire son vaccin comme prévu et lui donner un médicament pour la rebooster. Donc, je pensais que ça pouvait être sympa de vous montrer tout ça. Vous pouvez voir, en fait, avec son poil d'hiver, ça se voit pas facilement. Mais franchement, moi, voilà, je sais qu'elle est maigre, je sens ses côtes. Voilà, son poil d'hiver cache beaucoup de choses, mais elle est vraiment trop maigre. Et ça fait le deuxième hiver qu'elle me fait ça. Mais là, vu que l'herbe va recommencer à repousser, elle va reprendre du poids. Mais voilà, pourtant, je la complémente avec, cette fois-ci, des granulés d'élevage. Donc, ça a été conseillé par mon éleveuse qui donne ça à ses poulains quand le foin ne leur suffit pas. Donc je ne comprends pas. Mais voilà, le vétérinaire doit venir du coup cet après-midi lui faire son vaccin et on va voir ce qu'il va me donner et je vous montrerai tout ça. On est l'équipe du tonnerre. Moi, oui, mes chéris. Gossip, tu lèves ta tête? Voilà mes amours. Mon bébé d'amour. Ici ma chérie d'amour aussi. Moi, oui, mes anges. Ils sont pas beaux? Moi oui, ils sont beaux mes bébés. Qu'est-ce que vous êtes beaux? Moi oui, vous êtes beaux. Elle est brossée, non? Hier, oui, ah, un peu. Elle est restée toute propre. C'est bien, moi, je suis prie. Tenez la tête, si vous voulez. Ne bouge pas. Hop, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est fini, ma chérie. Voilà. Donc, voilà, le vétérinaire vient de passer. Petite gossip. Elle a eu son vaccin et le vétérinaire, comme je vous l'ai dit, m'a rapporté un petit médicament. Donc c'est de l'épalac, c'est en fait du calcium parce que ma louloute, elle a eu, voilà, elle est en manque de calcium pour sa croissance. Du coup, je vais devoir lui donner jusqu'à la fin du bidon 2 cuillères à soupe dans sa ration et il m'a dit d'en donner aussi un peu pour Bibi, ça fait pas trop de mal enfin pour la fin de l'hiver et normalement ça va la recalquer pour le printemps. Donc voilà, c'était une très courte vidéo mais je voulais vraiment vous parler un peu de pourquoi Gossip a perdu du poids et au moins ça répond à vos questions parce que vous êtes certains m'avoir dit dans les commentaires de mes anciennes vidéos que Gossip avait paraissait assez maigre. Du coup voilà, on va faire son petit traitement pour le calcium. Mon bébé aussi va passer par ça, ça va pas te faire trop de mal et au moins il va être content parce qu'il va avoir un tout petit peu de granulé parce qu'il faut que je le mélange justement avec les granulés. Mais Bibi normalement n'en a plus parce qu'il est assez gros comme ça. Mais bon, il aura une toute petite poignée juste pour manger le médicament.
Et après, bah, on verra au fur et à mesure si la louloute va reprendre du poil de la bête. Dans tous les cas, elle n'a pas d'infection, donc ça devrait s'arranger. Et vu que là, bah, vous voyez derrière, il y a l'herbe qui recommence à pousser. Du coup, ça va aller de mieux en mieux. Et voilà, on apprend de nos erreurs encore une fois. Elle est en manque de calcium. Et voilà, au moins pour l'hiver prochain, je pense qu'on sera paré correctement et il n'y aura pas de soucis. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. On dit au revoir les loulous. Au revoir.